Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. Et oui, ce matin, pas de vidéo. Ce matin, jour de fête, dimanche matin, direction la messe. Et une vidéo plus tardive, j'espère que vous avez pu aller à la Sainte Messe pour recevoir le corps et le sang de notre bien-aimé Jésus, je l'espère, pour vous. Merci Jésus de t'offrir chaque dimanche et chaque jour de la semaine pour nous, pécheurs. Merci bien-aimé Jésus pour ton corps et ton sang. Cette vidéo s'intitule « Nous avons tant à apprendre de toi, Jésus, notre seul enseignant. » Nous avons tant à apprendre, car Jésus repousse les limites de notre compréhension. Avez-vous entendu parler de la recherche-action? La recherche-action, eh bien, c'est... Ce sont des gens qui font des recherches et qui les mettent en œuvre. Et ils observent les résultats des actions. Recherche, action. C'est pas de l'humour, hein, c'est sérieux. Et la meilleure appellation, c'est une appellation qui pourrait tout à fait coller, correspondre à ce que fait notre seul enseignant Jésus. Nous avons tant à apprendre. Et il repousse les limites de nos connaissances, de nos perceptions de la réalité. Jésus, qui est Dieu, nous donne vraiment un enseignement parfait, car c'est un enseignant qui nous aime. N'a-t-on pas souvenir d'avoir été aimé par un instituteur, une institutrice? Quand nous nous sentons aimés, nous faisons des progrès. Eh bien, puissance, bien sûr, bien plus importante, puisque Jésus est Dieu, de se sentir aimé nous aide à progresser, à essayer d'avancer et de repousser la difficulté de nos misères. Merci Jésus. En ce beau dimanche d'Eucharistie, Eucharistie qui veut dire remercier, sois béni Jésus dans tes anges et dans tes saints. Où tu nous mènes dans une réflexion qui va plus loin. Ce n'est pas des recherches intellectuelles, c'est bien. Il s'agit bien de spiritualité. Jésus nous montre dans son amour qu'il nous fait avancer. Avancer pour que nous puissions vivre plus en paix, plus dans sa joie, en paix, c'est-à-dire dans ta paix, Jésus, la seule paix valable. Voilà les amis, et on peut aller beaucoup plus loin uniquement avec Jésus, car Jésus ne nous quitte pas, je vous l'ai dit 100 fois, c'est le véritable enseignant qui est là avec nous pour nous faire progresser en nous aimant. Il faut l'expérimenter pour le comprendre. Chaque instant, Jésus nous surprend. Il nous surprend parce que il a un coup d'avance. Il connaît les ruses de l'ennemi et il ne veut pas que nous tombions dans ses ruses, dans ses abîmes. Jésus a dit « Occupez-vous de moi, moi je m'occupe de vous. » Alors, je vous invite encore et encore à vous occuper de Jésus, à l'aimer, le louer, chanter,
le glorifier, le prier, et vous verrez ce que vous verrez. Vous verrez que Jésus nous aime gratuitement. C'est pas mal à notre époque. C'est plutôt rare. Cet amour infini de Jésus avec son Père et l'Esprit Saint. Et il repousse les limites de notre compréhension des choses. C'est hyper important pour avancer. Avancer en étant aimé. Merci Jésus, alléluia. Ici ou là, nous sommes régulièrement invités à lire des livres, à écouter des spécialistes, des gens qui ont fait des analyses. Et tout ça, ça n'a rien à voir avec la vérité de Jésus. Car Jésus nous apporte ce dont nous avons besoin, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut, il est totalement souverain, et il nous a aimé le premier, et il s'est fait homme, un Dieu qui s'est fait homme. Il connaît notre condition, il connaît nos misères, il connaît nos impasses. Confiance, les amis, foi veut dire confiance. Ne laissons pas nos impasses nous étouffer, car Jésus est plus grand que nos impasses. Si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, Jésus est plus fort que ce manque d'amour que nous pouvons nous porter, puisqu'il nous donne la vie. Laissons-le agir pour nous transformer, pour que nous puissions nous améliorer dans le feu de son amour, dans le feu de sa justice. Et si nous avons péché, eh bien, parlons-lui comme à un ami de notre faute. Bien sûr, vous le savez, je vous encourage à aller vous confesser auprès d'un prêtre, bien entendu. Ça n'empêche pas de dialoguer avec Jésus, de discuter avec lui de nos limites. Il est l'ami fidèle, il est le bon berger. Nous, petites brebis, nous pouvons lui parler librement. Nous pouvons aussi, si nous avons des personnes de confiance, à plusieurs, lui parler de nos difficultés sans jugement. Jésus a dit, vous êtes deux ou trois en mon nom, je suis au milieu de vous. Donc, quand nous parlons à plusieurs, à cœur ouvert, mais il faut vraiment qu'il y ait une grande confiance envers les personnes qui sont avec vous pour parler à cœur ouvert. Bien sûr, on ne peut pas le faire avec tout le monde, et en le faisant dans la prière, à Jésus bien sûr, à Marie notre mère, Saint Joseph, et au sein de votre choix, ceux qui parlent à votre cœur. C'est un excellent outil pour progresser et dépasser nos situations difficiles. Confiance les amis. Jésus a vaincu le monde. Et si nous trébuchons, Jésus nous relève. Merci Jésus. Amen. C'est ainsi. Voilà. Nous pouvons aller plus loin dans la compréhension et le dépassement de nos difficultés.
c'est possible en notre Seigneur Jésus. Lui qui a tout fait pour nous, qui a tout donné, y compris sa vie, il peut nous aider à dépasser ce que nous croyons infranchissable. Merci Jésus, alléluia. Le dépassement de soi se fait avec notre roi, notre seul roi, Jésus. Merci Jésus. Il nous connaît mieux que nous ne nous connaissons. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de l'Église. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs. Et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo selon la sainte volonté de Jésus, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, Jésus. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon dimanche avec Jésus qui est la lumière. Oui, Jésus, tu es la lumière. Ne l'oublions jamais. Tu es la lumière, celle qui construit, celle qui édifie. Merci Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. À bientôt.